c'est la voiture de la famille. Margola. 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 Ah, ça tu William. Est-ce que quelqu'un peut élever juste sa voix pour rentrer avec moi dans l'atmosphère et la présence du Saint-Esprit? Répète juste après moi comme ça. Thank you.
Thank you.
Mes frères, bonjour. Oui, mémé. Jonas Modero. Et non, Jonas Somo et Modero et Lié. Non, la levée de corps s'est bien passée. Ok, donc là, on se dirige vers la messe. L'église commence à 11h. Et du coup, je vous dis, ayez le courage, ayez la foi. Je suis en train de tout faire. Même si vous n'êtes pas venu, mais ce n'est pas encore fini. On va se battre pour que vous arriviez. Donc, je dis à Modero et je dis aussi à Lié, ayez la patience. Il y a des enterrements, il y a des genoux qui se font. Vous pouvez arriver même après 45 jours. Je veux me battre pour que vous arriviez même après 45 jours. Pour l'instant, je suis le seul à représenter toute la famille. Mais je vous dis, ayez de la paix. Surtout la paix et l'amour. Le reste, je veux gérer, ça va se faire. Merci. Donc là, on se dirige vers l'église parce que c'est à 11h30. Et après, je prendrai la parole pour dire en dernier hommage à ma soeur Kader Tobiliam. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Vous êtes rassemblés nombreux pour rendre hommage à Angèle. Vous allez l'entendre dans la parole de Dieu, toute la célébration des funérailles, les paroles que vous allez entendre, elles nous tournent vers l'avant, elles nous tournent vers un mystère de vie. Et c'est cet acte de foi que nous voulons poser ensemble, à la fois rendre hommage à Angèle et nous porter ensemble dans cet acte de foi en Dieu qui est un Dieu de vie, qui est un Dieu fidèle, qui accueille l'âme d'Angèle, qui lui donne sa vie, une vie éternelle. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en écoutant tout d'abord les témoignages. Vous allez entendre un témoignage sur Angèle et puis ensuite nous allumerons en mémoire de son baptême la lumière au cierge pascal. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Mais nous sommes sûrs que tu l'as aimé et nous t'en remercions. Dans les luttes, les souffrances, dans les grandeurs et les faiblesses de sa vie, tu es resté avec elle sans jamais t'imposer, lui faisant son entière liberté, mais en l'invitant sans cesse à continuer avec courage, avec confiance. Nous te demandons de l'accueillir auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, mais la paix et la joie. Nous écoutons le témoignage de Denise. Celui-là sans faiblir marchera. Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. Soleil, celui-là dans la nuit chantera. Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, que ton peuple aujourd'hui
comme chacune et chacun de nous, la vie d'Angèle est faite de lumière, et puis aussi d'une part de l'ombre. Elle a rencontré l'expérience du mal, elle en a peut-être été victime, elle en a peut-être été complice. Au début de notre Eucharistie, nous demandons au Seigneur de la libérer du mal qui a pu toucher sa vie. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous le prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous puissions y trouver une lumière dans notre tristesse, une certitude dans nos doutes et la force pour vivre cette heure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la lecture du livre d'Isaïe. Lecture du livre d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers prépara pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples, et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira: voici notre Dieu, en lui nous espérons et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérons. Exultant, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Thank you.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Les lectures que nous venons d'entendre, elles orientent notre attention non pas vers la mort, mais vers la vie. On l'a entendu dans la première lecture, le Seigneur détruira la mort pour toujours. Il est mon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Et dans les épreuves de nos vies, dans la tristesse, dans l'injustice, il reconnaît des germes de vie éternelle. Et il nous invite à accueillir son souffle, le souffle de son esprit consolateur qui passe dans notre peine. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ces paroles ne sont pas une consolation illusoire. Parole de Dieu, elle touche en nous une espérance, une foi profonde, une orientation de notre être. Comme vous l'avez entendu par la bouche d'Isaïe, en lui nous espérions et il nous a sauvés. Le Seigneur est mon berger. Oui, nous le croyons, le Dieu de vie nous a fait pour la vie. Alors, au-delà de nos yeux, dans le mystère de l'au-delà, la vie continue. Tout autre, transformé. Et nos âmes, comme l'âme d'Angèle, seront entre ses mains. Entre ses mains. Le Seigneur a pris l'amour d'Angèle dans son amour. Le Seigneur a pris la prière d'Angèle pour vous. Dans son infinie volonté de bien pour chacune et chacun d'entre vous. Tout l'élan de l'âme d'Angèle, il le recueille, il l'accueille, qui éclaire la présence de Dieu à vos côtés.
dans vos épreuves. La prière d'Angèle pour vous sera cette lumière qui éclaire le chemin des béatitudes que vous avez entendu dans l'Évangile. Dieu est avec vous dans le sentiment de votre impuissance. Heureux les pauvres de cœur. Dieu est avec vous dans votre choix de vivre dans la douceur et non dans la colère. Heureux les doux. Dieu est avec vous dans votre tristesse. Dieu est avec vous dans votre désir de la justice et dans votre choix de la miséricorde plutôt que du jugement. Laissez le jugement des cœurs à Dieu. Il appartient à lui seul. Dieu est avec vous dans votre recherche du bien en autrui, du bien dans les autres, et dans votre engagement à construire la paix. Heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Dieu est avec vous quand vous êtes victime de l'injustice ou de la méchanceté des hommes, en refusant la vengeance et en choisissant d'être fidèle à Jésus. Voilà le chemin des béatitudes, le chemin de Jésus. Il me conduit par le juste chemin. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Dans l'amour de Dieu pour vous, Angèle vous espère sur ce chemin. Oui, je le crois, c'est ce qu'elle espère pour vous. C'est ce qu'elle espère de vous au cours de votre passage sur cette terre. Ensemble, élargissons notre cœur, présentons au Seigneur nos prières pour Angèle et pour tous les hommes. Vision du bien qu'il peut faire et la force de l'accomplir.
Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Offrir nos actions.
Je viens de toi, Seigneur, je te
l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre presbytère, et tous ceux qui ont la charge du grand peuple. Souviens-toi aussi de lui-même. Dieu en danger du problème. Ce qu'a appelé auprès de toi, puisqu'elle a été tapée dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa rédemption. Et nous avons
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Notre Père, nous remettons entre tes mains
Nous remettons entre tes mains Angèle Cotia, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ vivent encore avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour notre sœur Angèle Cotia. Ouvre-lui ces portes de ta maison et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Angèle Cotia dans cette communion des saints et saintes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici cet ensemble pour il monte vers Dieu en même temps que notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Saint-Esprit. Amen. Son nom c'est Jésus, mon meilleur ami.
Kili nazana ba camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu ne lokote. Ba bendani ba kei musikae, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable. Aïe aïe aïe, la passe onza, ya masumu onza. Onza ya pila passe onza ya masumu onza ya pila passe onza ya masumu wala beto lo tele mama kana kayule onza ya masumu onza onza ya Mesdames, Messieurs, vous voici tous réunis pour rendre un dernier hommage à Angèle. Je vais inviter dans un premier temps ses anciens collègues de travail qui souhaitent exprimer leur peine pour cette perte douloureuse. Bonjour à tous. Je ne vais pas présenter tout le monde, mais comme le monsieur l'a dit, nous sommes des collègues de Angèle, on a travaillé avec Angèle. Et je peux dire que je suis la personne d'excellence vraiment d'avoir travaillé avec Angèle parce que je l'avais rencontrée dans son travail et elle m'a amenée dans un autre travail pour nous tous au monde. Angèle, c'était. Je ne sais pas parler d'Angèle au passé, c'est trop compliqué. Angèle est devenue une amie, une sœur. Angèle, elle était généreuse et c'est ce que je pensais et je l'ai vu aujourd'hui. J'ai jamais vu une église pleine pour quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu une église pleine comme ça, mais elle était généreuse. Ça, je le savais, je voulais dire ça encore aujourd'hui, mais il n'y a même pas besoin de le dire, ça se voit déjà. Angèle, elle partageait de tous les collègues ici. Je pense que nous tous, un matin, elle va arriver, j'ai trouvé quelque chose. J'ai préparé à manger, j'ai fait comme ça. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Angèle, on avait toujours quelque chose d'elle. Toujours. Toujours. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, Angèle? Je sais que Dieu, il nous prend ce que nous aimons aussi. Et je pense que Angèle, elle avance juste pour nous préparer les meilleures places parce que c'était Angèle. Elle donnait ce qui était bien, elle donnait aux autres. Elle nous donnait.
Donc je suis sûre qu'elle s'avance pour nous préparer de meilleures places. À Sarah, je vais te dire que peut-être demain tu ne nous verras plus parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Mais tout ce que ta mère a sémé, Dieu va toucher les cœurs des gens n'importe où pour te bénir. Tu seras bénie, ma fille. Nous, on ne sera sûrement pas là. Mais ta mère, elle a fait un travail formidable d'amour. Elle a tellement fait un travail d'amour que toi, même si ce n'est pas par nous, ce sera par d'autres personnes. Tu auras les fruits de ce travail. Je voudrais que, au nom de mes collègues, que Angèle aille reposer en paix. J'espère qu'il n'y a pas la maladie là où elle va. J'espère qu'il n'y a pas la souffrance là-bas. Je lui souhaite un chemin mais large et plein de fleurs comme j'ai vu aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous mes collègues. Mesdames, messieurs, je sais que beaucoup d'entre vous ont des choses à dire. Vanter les qualités d'Angèle, ce qui elle était, sa foi. Ça va être un peu compliqué que tout le monde puisse exprimer quelque chose. Ce que je vous propose, vous avez commencé à rendre un très bel hommage à Angèle, à l'église. Les prêtres ont souhaité arrêter parce que ça allait prendre beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est de continuer cet hommage à Angèle, comme vous l'avez fait et comme vous avez commencé à le faire à l'église. Ça sera votre moment de recueillement. Mesdames, je vous invite à chanter et à rendre hommage à Angèle. Merci. Aïe à Toto, yo kaïo ka, kewe na luzi, tomo kwe bati. Aïe à Toto, yo kaïo ka, kewe na luzi, tomo kwe bati. Umu ka, famila zabi, mitri zambati, mia kwa kuzabi. Aïe à Toto, yo kaïo ka. Ema me ma.
Oh, yeah.
C'est la vie, c'est la condition humaine. Va en paix au nom de toute la famille. Le reste, c'est l'enfant qui reste. Mais le camp a été fait. C'est le destin de tout un chacun, c'est la finalité de la vie. Je n'ai pas d'autre mot à te dire si ce n'est pas de nous affermir. Donne-nous le courage pour la suite. Va en paix. Allez à Japtaès. On peut faire une prière pour pouvoir clôturer. Nous sommes des chrétiens quand même. La Bible nous dit, nous allons sur les chemins de toute la terre.
L'amour, c'est une réalité devant nous, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle était avec nous. Elle vient de partir. Elle nous a précédés. Et toute chose, nous devons rendre gloire à notre Seigneur. C'est pour cela que nous allons faire une prière pour pouvoir rendre grâce à Dieu dans ces moments. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur, alléluia. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Seigneur Jésus, nous te louons. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus de tout cœur, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus de tout cœur. Seigneur Jésus, je viens te dire merci, Seigneur, dans ces jours grands et redoutables. Et ce que la Bible nous dit, nous sommes poussière et nous retournerons, Seigneur, dans la poussière. C'est vrai que c'est toi qui donnes et c'est toi qui as repris, Seigneur. Nous pouvons donner, Seigneur, de beaux témoignages, parler tout ce que nous pouvons parler, Seigneur, de gloire. C'est toi les souverains. C'est toi qui donnes la vie. Quand tu as créé le monde, Seigneur, tu n'as pas créé la mort, mais tu as dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et l'amour, Seigneur, notre Dieu, est venu dans le monde quand l'homme a désobéi, Seigneur, à ta parole. Mais Seigneur, l'arbre de vie nous a été caché, mais c'est toi qui es venu, Seigneur, comme l'arbre de vie, Seigneur de gloire. Nous savons que les morts en Christ, notre Dieu, ne sont pas morts. Et quand toi tu viendras, Seigneur, tu vas les réveiller. Comme tu avais réveillé Lazare, notre Dieu. Nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains, notre Dieu. Afin que nous puissions savoir, c'est ce que toi tu dis, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que cela, notre Dieu, nous donne la leçon pour comprendre, Seigneur, que nous sommes passagers et pèlerins sur cette terre. Et nous allons retourner dans la maison de notre Père. Bénis notre Dieu ce moment. Bénis cette famille meurtrie, Seigneur, par la mort. Car nous savons que la mort, Seigneur, notre Dieu, crée toujours une blessure dans les cœurs. C'est ce que je vois entre, Seigneur, dans la vie de Marie et Marthe, Seigneur Dieu de gloire. Mais quand toi tu étais venu dans cette famille, tu as été, Seigneur, une consolation. Envoie ton Esprit Saint, notre Dieu. Voilà cet enfant, notre Dieu, qui vient, Seigneur, notre Dieu, de perdre sa mère. Seigneur, nous pouvons tout dire pour cet enfant. Seigneur, rien ne peut toucher le cœur meurtri. Il n'y a que toi qui peux entrer dans le cœur meurtri, Seigneur, pour pouvoir panser cette plaie, ainsi que cette famille qui vient de perdre, Seigneur, celle qui était chère pour eux, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père, lève ta main puissante, notre Dieu. Nous te recommandons ce moment, Père, et nous voulons taire toute puissance démoniaque voulant servir, Seigneur, de gloire de cette situation pour pouvoir envenimer la situation, notre Dieu. Nous les faisons taire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta paix que tu vas reprendre, que tu vas répandre encore dans le cœur, Seigneur, de cette famille, notre Dieu. Sois le consolateur de cette famille, notre Dieu. Nous te prions, nous te prions, nous t'exaltons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Messieurs, dames,
Je vais tous vous laisser vous recueillir une dernière fois. En revanche, je vais juste vous demander une chose. Il y a une 5008 grise marron qui bloque toute l'entrée du parking. Et il y a une autre famille qui va arriver et qui, elle, ne pourra pas inhumer dans les temps. Donc je demande au propriétaire de la 5008 grise marron qui bloque le parking d'aller immédiatement enlever son véhicule. Messieurs, dames, la cérémonie est à présent terminée. Pour des raisons de sécurité, je vais tous vous demander de rejoindre l'entrée du cimetière. Mon collègue va sceller définitivement la sépulture. Il y a beaucoup de monde. Tout risque de s'effondrer. Donc si on veut que Angèle soit inhumée dignement, je vous demande tous de regagner l'entrée du cimetière. On va passer d'abord. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, on se retrouve tous à la salle. Hein. La salle, c'est l'avenue comment c'est... 68 Georges Bourgoin. 68 rue Georges Bourgoin. Juste à côté, là où on était à la mairie, et la réquisition. Je dois à l'église. La réquisition, sous le goudron même. Ah, c'est bon.
Non, ma chérie. Famille. Ouais, famille. T'éloigne pas trop, hein, si je veux démarrer bientôt. Juste là, là. Là, tout le monde est sorti. Non, mais tout le monde est sorti, là, là, je pense. Monsieur Guy Bidjou, ça c'est le maître Gérard, maître Gérard. Il était garé où? Juste à côté. Là. Où est la femme qui avait les yeux si profonds que l'on voulait s'y noyer? Myriam, il était une fois bijou,
Timothée, t'en souviens-t-il? Sekele ya yona papa muleka moto abenga kayo marchette Timote na biso mawa Miriama Miriama yo yawe yewana Santa Maria
Nyaya moko mi chéri ya nzambe ye. Eliwa, omema kaka kokei, metala makambotiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. No kibaloba balarme ya crocodile. Motoaza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie à Essengo. Atikali kaka na mawao. Pisoli oyele kinzila matama. Etiolate oyetangi na motema. Bisi, soki ndoba pêchere bendie. Yezalite, maïde e trahirye. Kanda e baleo. Batoma e bimbonge. Kasi pasi na ye. Ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongi sa moto balingaka. Abete la kango tolote. Motema nanga, ezate loko la zapao. Banyama baza sila sala matanga teo. Nabilongi nabino, musu ale pangusi maya miso. Bongo na motema nanga. Ah. Kola zambao, panze te kokweya, asalaka matanga teo. Buya de koko sole ngayi, buya kurandre nga visite o. Bunga nena bungisi, moko ya ba genero, ya molo kaye. Mama nyondalo bakananga, Chongo keba mokile zali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Source et bibisa babo la boue. Asi piango na beto ya bilo bela. Ba moni liki ba neglige soso. Ba komi simbu ma ba fingi zete. Mama moboti na matanga mwana. Abibisie mopaya oro oro pasipe mawa oro. Mama ya baba akoseli endoki po bayebi azangi maloba ya kose defendre. Motema nangezate ya ebende apati kanalela jokaste imelea na monokai malili pe solo ya mawa po esegweke iko jeta gobolai. Motema nangezate lokola zamba. Nyama peza tezo kwa ya salaka, matanga teo. Mialeleo, mialeleo, mialeleo. Nga bakule,
Kote ya viva na kangaki makolote na bimisa kiyo po mokili emona pe eye bayo lelo awo keyi babosa ni kilo ya pasi na ngayi e salaria na pesi nyoso na nzambe na bakule na lelie jengaka defte baba edina demola mkai dinda yango peti asisa bulantulu alpacino teo mwana mateteo Suluweweke, kayangonda, taflakitaka, ah, selele roi, mere malue, male, hemeneya, hemeneya, Matanga, esi la kambangu epa ya bapaya, kalandenge bapanzani. Kase pa bakolo na yango. Ate, bopesa ngata.